Alors, mes chers amis, avant de vous dire au revoir, on va compléter notre débat de ce soir. Premier astrologue du monde, c'est Mitra, dieu de soleil, mais Mitra réellement, on dit dans l'histoire qui existait également, il venait de Pamir de Tadjikistan, il y a déjà 7000 ans, premier astrologue du monde, et pendant des plusieurs milliers d'années, le culte de Mitra a existé dans le pays perse, mais justement, quelques années avant la naissance de Jésus, ce culte de Mitra par les Arméniens et par les soldats des Romains, ventre en Romain, il va devenir un culte assez fort, dieu de soleil, et l'Europe. La totalité de l'Europe va devenir disciple de Mitra, mes chers amis. Et c'est pour ça, actuellement, vous pouvez trouver des temples de Mitra, surtout au moment qu'on était en train de faire le métro à Londres, en France, à Paris, Angers, et dans les villes d'Allemagne, Germanie, nous avons trouver plusieurs temples de Mitra, et le plus grand temple de Mitra, c'était le Vatican d'aujourd'hui. Basilique, Saint-Pierre, si vous descendez au sous-sol, vous allez voir, le temple de Mitra était là-bas, qui était remplacé, tout ça s'était remplacé par notre ami Christ et par le christianisme. Quelques années après, plusieurs centaines d'années, voilà, après la naissance. Mais jusqu'à 500 ans, et j'ai dit au départ de notre émission, même 600 ans après Jésus-Christ, Nouvel An, c'était 21 décembre, et le culte, c'était culte de Mitra. Mais tout d'un coup, le culte de Mitra va donner place à Jésus, et il va remplacer par le judaïsme. Mitra, qui à l'époque signifiait comme contrat, soleil, l'amour, l'amitié, vérité, l'honneur, courage, fraternité et disciple, va abandonner l'Europe et l'Occident, et partout on va voir le Christ. Mais le culte de Christ, qui soit fête de Pâques, Toussaint, Noël, tous ces cultes, c'était le culte de Mitra, qui sans aucun doute, vous pouvez le trouver sur l'internet, même David, il a un bouquin, j'ai un bouquin, vous pouvez aller le lire gratuitement si vous voulez, sur mon site, Mitra, dieu de soleil, mais au lieu de soleil, j'ai mis de la lumière, Mitra, dieu de la lumière, vous pouvez aller sur mon site opinion.pm, opinion.pm, PM comme papa et maman. Morgan aussi, il a un site msa.pm, David aussi, opinion.pm. Quand vous êtes sur ce site, vous pouvez avoir accès à plusieurs de mes livres gratuitement, vous pouvez le lire en PDF, mes chers amis, y compris celle de Mitra. Surtout là-dedans, je pars sur Christ et Christos. Christos, c'était également le nom de Mitra. Christos, c'est le reflet de la lumière, une sorte de soleil. Et c'est Christos, ce nom également, on va le donner à Jésus. Jésus aussi devient Christ, ça veut dire Christos, le reflet de la lumière, mes chers amis. Permettez-moi de vous embrasser toutes et tous en vous souhaitant une bonne fête. Je peux dire joyeux Noël, puisque c'est un an qui avant passé. Et surtout mon ami, que je l'aime beaucoup, que vous l'aimez beaucoup aussi, que j'étais ravi ce soir, Jean-Bernard, il a cité son nom, notre président Didier Deplège. Je vais le souhaiter. Bonne fête de fin d'année, mon cher Didier, je veux t'embrasser. Et je vous dis, mes chers amis, à très bientôt. J'étais ravi de partager mon Noël avec vous. Merci et au revoir.
میخوای خودش کار کنه؟ ولی دلش میگه باز کار کنه؟ نه، باز کار کنه. نوش مرسی.